Est-ce que vous connaissez Lina? Oui. Elle a quelque chose sur elle qui ne la quitte jamais. Vous avez une idée de ce que ça peut être? Je sais pas, sa médaille de baptême? Une raquette? Ses boucles d'oreilles? Une bague? Je sais pas. Une jupe? A Chinese dress, maybe? At all times. Un gris-gris? Un trèfle à quatre feuilles? I think she has a tattoo. Un tatouage? Très bonne réponse. I really have a tattoo. You do? Yeah. What is it? You want me to take a guess? Un symbole zen? Le yin et le yang? Non. Une date de naissance? Une année? It may be sport oriented. Une balle de tennis? Un oiseau? Une colombe? That's like a dragon? Une panthère? Hein. A cockroach? Allez, un indice! It's for about the love, you know. Ah, la date de son mariage ou un truc dans le genre. Tattoo possibly says I love you in Chinese. Her husband's name. Un cœur. Un cœur. Il y a deux choses. Il y a un cœur et il y a quelque chose d'autre. Deux cœurs. What else symbolizes love? Un arc. Heart, arrow, whatever. Une petite raquette dans le cœur. A flower. A rose. There we go. We have winners. Thank you very much. Congratulations. It's heart with a rose. During the time I was like 19. I already meet a boyfriend, but now it's husband, yeah. Already like 3-4 years. So I say, okay, maybe it's time to do something. Oh, ouais. Et est-ce qu'on peut savoir où il est, ce petit tatouage?